monde, c'est Fishlord et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer des applications payantes, payant pour gratuit sur Android. Donc vous voyez, je vais pour exemple, j'ai installé cette application qui s'appelle GoatZ, Goat Simulator GoatZ, qui est à 3,29 $ US. Donc voilà, vous voyez, c'est payant. Ainsi de suite. Donc avec ce que je vais vous montrer, vous pourrez installer d'autres applications payantes pour gratuit sur sur Android, comme Minecraft, GTA 3 et tout. Toutes les choses comme ça. Donc la première chose que vous allez devoir faire, voilà, c'est d'aller dans vos paramètres. Dans général, sécurité. Après, vous allez dans admin de ferry-ferrique. Et source inconnue. Donc, ici, voilà. Et vous devez avoir ça activé. Donc, vous l'aurez pas quand votre tablette sera fournie. Vous ne l'aurez pas. Donc, vous allez après aller sur Chrome. Alors ça, c'est le lien que je vous mettrai dans la description si vous ne voulez pas avoir l'application et vous voulez juste l'avoir du site internet. Donc vous cherchez l'application que vous voulez avoir. Donc moi, ça va être GoatZ. Voilà. Donc voici la même application. Donc vous pouvez voir l'emblème. L'emblème de cette application, nous allons aller sur le Play Store, le même emblème, voilà. C'est le même, je veux dire, emblème, quand je dis emblème, icône, désolé. Donc après, vous tapez sur l'icône. Voilà, et voilà. Ce qui est même cool, c'est que vous avez même les étoiles. Vous pouvez même mettre les étoiles pour... de votre avis, vous avez les commentaires et tout, c'est carrément un Play Store, mais avec tout gratuit en fait. Donc, après, vous cliquez sur installer, et puis voilà. Mais je vais pas le faire sur ça. Après, le deuxième lien, c'est pour avoir l'application. Donc, vous cliquerez sur installer maintenant, qui est juste là. Voilà. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà installé. Donc, après, vous l'aurez. Alors, vous allez devoir faire cliquer là-dessus, hein, pour avoir toutes vos applications. Et vous trouverez Aptoide ici. Donc, c'est ça. Ok. Donc, maintenant, je l'ai déjà ici. Oui, j'en ai plein. C'est mon style. Donc, je vais aller dans un de ces Aptoides, même si c'est tous les mêmes. Voilà, donc vous voyez, alors il y a même le top, donc voilà, il y a Minecraft Pocket Edition et Block Launcher Pro qui est un truc pour avoir des mods sur Minecraft Pocket Edition. Il y a Five Nights at Freddy's, voilà, et énormément de... Il y a même les mises à jour, voilà, donc avec toutes mes applications. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher GoatZ. GoatZ, on va le chercher. Et puis ça va nous amener, Alors, soit on le télécharge du magasin là, ou soit ça va nous amener sur Internet à GoatZ. Donc je vais essayer de le télécharger d'ici. Voilà, GoatZ. Donc si ça marche pas et du magasin tout simplement, vous allez télécharger d'internet parce que moi ça a toujours marché, même Minecraft, tout, ça a tout marché. Vous allez cliquer sur installer, démarrage du téléchargement. Donc vous pouvez voir Aptoide est en cours de téléchargement. Taladi. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout. Donc on va gentiment attendre que ça finisse son téléchargement. Et si ça finit pas, ça fiche.
Je sais pas, je vous promets, ça a marché. Ça a marché. Non, en plus, vous pouvez voir, regardez. Voilà, 1%. 1%, vous voyez. Alors, 36 minutes, c'est pas vrai. Hein. Ça marchera sur tout Android. Alors, 2%, c'est en train de télécharger. C'est en train de télécharger. Voilà, 3%. Et puis donc, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si ça vous a aidé, et si vous avez aimé aussi, bah appuyez sur le bouton j'aime. Et voilà. Et si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, ou si vous voulez voir d'autres vidéos pas de ce genre, et bah si c'est d'autres vidéos comme ça, vous abonnez à ma chaîne. Et si c'est d'autres vidéos, vous allez dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Donc je peux faire des vidéos sur... peut-être sur iOS, ça veut dire Apple. Je peux faire des vidéos sur Android, ça c'est sûr. Je peux faire aussi des vidéos sur ordinateur, mais j'ai pas encore trouvé comment faire des vidéos. Enfin, comment prendre des vidéos sur ordinateur. Donc voilà. Mais je vais trouver, vous inquiétez pas, moi. Rien ne m'arrête. Bon. Enfin, peut-être quelque chose. Donc maintenant, on va retourner. Donc, vous voyez, Aptoid, je vais mettre les applications que j'ai réussi à avoir. Grâce à Aptoid, qui étaient payants. J'ai réussi à avoir... Non, Minecraft, je l'ai eu payant parce que je savais pas encore qu'Aptoid existait. Quand je l'ai eu. Après, Block Launcher Pro, oui. C'est le truc avec les mods qui est payant parce que c'est pro. La version pro, je l'ai eu grâce à Aptoid. GTA 3 10 Years Anniversary, la truc bidule, je l'ai eu grâce à Aptoid. J'ai eu plein de choses grâce à Aptoid. Mais aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a certaines applications qui sont sur le Play Store qui seront pas. Je veux dire le contraire. Il y a certaines applications qui sont sur Aptoid et qui sont pas sur le Play Store. Par exemple, comme GTA 3 Cheats, voilà. C'était sur Aptoid et pas sur le Play Store, donc j'ai eu de la chance. Voilà. Voilà. C'était à peu près tout, hein. Je vais vous prouver que c'est en train de télécharger, voilà. Alors, on va aller sur Aptoid pour voir comment ça a téléchargé. 29%, vous voyez. Ça va télécharger. Et voilà. Donc, à plus. Donc, ma prochaine vidéo sera à peu près de GTA 3. Donc, je vais faire des petits let's play de GTA 3. On va faire toute l'émission, on espère. Et voilà. À la prochaine vidéo.